des Elephant, on va enchaîner sur notre prochain exercice. Donc l'Elephant était à 36 kg, je pense qu'on peut tous les deux être qualifiés de Popeye au niveau de la poigne. Ah ouais, là c'était la marche du fermier, mix fente, on était pas mal du tout là. Des séances jambes, j'ai toujours tendance à sentir les fesses, les ischios. Donc là, pour la presse à cuisse, on a modifié un peu les pieds le plus bas possible, les talons qui décollent un petit peu, sensation sur les quadris fatale. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, également, moi, quand je pousse sur le talon, quand j'amène mes hanches vers l'arrière, c'est souvent mes ischios qui sont très longs, qui prennent le relais. Du coup, j'ai intérêt à garder tout sur la pointe de pied pour étirer à fond et garder la tension à fond sur justement mes quadriceps. Donc l'exercice, presse à cuisse, pieds serrés, les pieds en bas, c'est vraiment un indispensable pour mon entraînement et je pense aussi. Séance à dominante quadriceps, on ne peut pas rajouter un petit exercice pour les ischios. Et là, ce qu'on a fait en fin de séance, soulevé de terre jambes tendues en superset enchaîné avec du leg extension. Du coup, c'était le seul exercice isolation de la séance.
Et niveau sensation, c'est plutôt pas mal, hein. Ça permet d'équilibrer un petit peu, ou en tout cas de pas trop les laisser derrière. Et je pense que là, ça nous a bien éclaté. Ouais, niveau volume d'entraînement, c'était parfait pour le quadriceps, pas plus, pas moins. On a vraiment fait une bonne séance, on a suffisamment, une fois de plus, de volume sur le quad pour être satisfait et pour que le muscle soit satisfait de cette séance et pas que nous. Et petite remarque, les deux exercices, on les a fait totalement enchaînés, il n'y avait pas de temps de récup, donc là je pense que pour terminer la séance, c'était terrible. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les amis, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, bien sûr, vous partagez la vidéo, et nous on se retrouve très bientôt, peut-être même avec Lucas, à Paris, hein, qui sait, à Paris, pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.